Bonjour et bienvenue à Colmar, étape indispensable pour un séjour en Alsace. Cette ville pleine de charme a su conserver son authenticité et sa douceur de vivre. En plus, c'est la capitale des vins d'Alsace. Et moi, j'en profite pour la découvrir au fil de l'eau. Ici, nous nous trouvons dans le quartier de la Petite Venise, en plein cœur de Colmar. C'est un peu un village au milieu de la ville. Avec ses maisons à colombages qui sont comptées parmi les plus belles de Colmar, ça donne vraiment envie d'y flâner. Et entre amoureux, c'est encore mieux. Alors ici, nous nous trouvons au marché couvert, un endroit où vous pourrez trouver des produits de qualité, boulangerie, fromagerie, fruits et légumes, et même produits de la ferme, de quoi ravir vos papilles. Que ce soit la maison des têtes ou la maison Pfister, chaque monument est unique en son genre. Et c'est en vous baladant dans les ruelles que vous pourrez découvrir ces belles maisons avec leurs toits aux couleurs chatoyantes. Les nombreuses terrasses des restaurants vous offriront tous les choix pour profiter de la gastronomie alsacienne. La ville de Colmar compte de nombreux musées, comme par exemple le musée du jouet ou le muséum d'histoire naturelle. Ici, nous sommes dans le musée d'Unterlinden, l'un des plus célèbres de France. Vous pourrez notamment y contempler le fameux retable d'Isenheim, joyau de la collection. Colmar a vu naître Auguste Bartholdi, le sculpteur de la Statue de la Liberté. Il y a un musée qui lui est dédié et il est situé dans sa maison natale. Vous découvrirez plusieurs de ses œuvres en vous baladant dans les rues de la ville. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite à Colmar.